Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien, mes amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à la partie 1 de la saison 4 de l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, mais ça s'écrit comme ça. Non, je rigole. Et on va parler de Eren Yeager. Nani ? Tout d'abord, j'ai un peu de mal à croire que la saison 4, donc la dernière saison de l'attaque des titans, va englober tout le reste du manga, car on est tellement éloigné de la fin. Mais bon. Je pense qu'ils ont déjà tout prévu, enfin j'espère juste qu'ils ne vont pas trop abréger certaines scènes du manga pour finir dans les temps. Bref, ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour concerne Eren Yeager. Eren Yeager ! Lors des trois premières saisons, il était tellement gentil, prêt à tout pour sauver ses amis. Alors que dans l'épisode 8, lorsque Sasha est morte, bah ça lui a pas fait grand chose. Alors que Mikasa Ackerman et Armin Arletto pleuraient comme des fontaines. Alors... pourquoi Eren a-t-il autant changé? Est-il devenu méchant? Ne vous inquiétez pas, grâce à mon expertise professionnelle, je vais vous dresser le nouveau profil psychologique d'Eren. Et je vais vous expliquer la nouvelle philosophie d'Eren qu'il a développée après avoir enduré nombre de souffrances. Eren est devenu un adepte du stoïcisme. C'est l'art de s'en battre les couilles pour atteindre un idéal qui transcende le bien et le mal. Pour faire le plus simple possible, et en une phrase pour pas trop vous rendre ouf avec de la philosophie, le stoïcisme a été fondé par Zénon de Kition, 3 siècles avant JC. Déjà rien que le blaze il tape, quand tu t'appelles Zénon de Kition, t'es obligé d'avoir une destinée qui marquera l'histoire. Et le stoïcisme a connu son apogée avec le règne de l'empereur romain Marc Aurèle. Vous doutez bien que lorsque vous êtes un empereur romain, un conquérant, vous avez intérêt à être maître de vos émotions. Et c'est ça la base du stoïcisme, c'est être un vrai bonhomme face à l'adversité et les difficultés de la vie. Si vous voulez, c'est l'inverse d'être un fragile. Bon, je caricature un peu, car voilà, il y a des livres et des livres qui se sont écrits sur le sujet. Moi perso, ça fait des années que je lis le même livre sur le stoïcisme, Pensez à moi-même de Marc Aurèle, tellement c'est dur à comprendre. En plus, il paraît que c'est le livre sur le stoïcisme le plus accessible. Bon, vous avez vu, je suis un spécialiste dans tous les domaines. Après ma dernière vidéo où j'ai parlé de Freud, pourquoi Minato a voulu tondre Bi? Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, j'appuie mes propos avec un savoir ancestral, le stoïcisme. Bref, retour sur Eren qui est passé de fragile à solide. En tant que stoïque convaincu, croyez-moi que c'est pas la mort de Sasha qui va lui faire verser une larme. Alors que lors de la saison 3, il était à son apogée de la tarlouse attitude. Même Historia avait dû le cogner pour qu'il se reprenne. Et bien maintenant c'est devenu un véritable rock qui prend du recul et voit les choses à long terme. Mais reprenons les choses chronologiquement. Tout comme Marc Aurèle qui avait à charge un empire, au fil du temps et après les révélations dans la cave, Eren prendra conscience de son importance. Il est destiné à changer le monde. De par son héritage, en tant que possesseur du pouvoir de l'originel, Eren devra faire basculer le destin des Eldiens de l'île du paradis, mais aussi du continent. Ce changement impactera le monde et s'accompagnera forcément de souffrances, car les opposants d'Eren ne vont pas cesser faire, et c'est toute une armée qui sera levée pour faire face aux démons de l'île du paradis. Et Eren devra être celui qui protégera son peuple de l'éradication. Ça va être Eldien versus le reste du monde. Pour Eren, en tant que possesseur de l'originel, il va endosser le rôle de leader. Il sera impie des Eldiens. Alors, est-ce pour cela qu'il est devenu méchant? Alors, les actes qu'il a commis depuis le début de la saison 4 parlent pour lui. Et ils sont affligeants. Après des années passées à Revelio, où il a manipulé un enfant, Eren va tuer plein de monde en faisant un vol plané sur le public. En plus, il a sauté en faisant un plat pour tuer le plus de monde possible. Quelques instants auparavant, il avait gobé Willy Tabor en espérant s'approprier le titan marteau d'armes, mais ce n'est pas Willy qui détient le titan marteau, mais sa sœur Lara Tabor. Après un combat mémorable où Eren s'est retrouvé plusieurs fois en sueur face à la puissance du titan chauve, Eren s'approprie le titan marteau d'armes dans une scène incroyable qui va même consterner Mikasa. En effet, il a fait les choses tellement salement qu'il a choqué le monde. C'était digne d'un Freezer qui préfère torturer avant de tuer ses ennemis. Eren va se heurter à un problème non négligeable pour s'approprier le titan marteau. Lara Tabor est protégée par un cocon ultra résistant, le même que celui d'Annie, et Eren s'est cassé les dents dessus. Mais ce cher Eren a de la suite dans les idées. Après l'assaut de Mikasa qui va couper les jambes du titan mâchoire, Eren va détruire le titan mâchoire et l'impensable va se dérouler sous nos yeux, avec une scène qui a choqué les enfants. Âme sensible s'abstenir. Bah moi perso j'ai kiffé à mort. Au bout du compte, Eren récupère le titan marteau d'armes et cette fois on en est sûr. Bien que habité par des objectifs dont nous n'avons pas pour le moment entière connaissance, Eren a changé. Il semble être devenu méchant. Et pour atteindre son but, il est prêt à commettre les pires atrocités, ce qui fait de lui un anti-héros. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire.
et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.